Planète Rap. Alors attends. Qui a dit en trichant? Qui? Je sais pas, moi, qui a entendu ça? Moi j'ai entendu en trichant. Entendu. Je me souviens du match Planète Rap pour la Fondation Abbé Pierre que j'embrasse d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre. Ouais, en parlant de triche, des choses du passé, c'était en parlant dans le passé. De triche, qui mais était c'était... le plus gros tricheur autour de la table? Moi, je sais pas. Qui a envoyé son frère jouer à sa place sous une cagoule? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas de quoi tu parles. Moi. Oui, vous aurez trouvé. Fab, tu t'en souviens? C'était dans le passé. Ah, c'était dans le passé. Tu t'en souviens, Fab? Je sais pas si je peux balancer. Quoi. Ah, moi, ça. Tout le monde en plus, même mon équipe regarde. Ce... Karchak, c'est faux. Karchak, c'est mon gars. Enfin, voilà. Fab, tu n'as pas intérêt de lui souffler des trucs, toi, parce que je te connais aussi, je t'ai allé. Je souffle rien, de toute façon j'ai le micro qui est ouvert, je suis mort. Rappelle-nous ce qu'il va se passer dans ce blind test, ou en tout cas le thème de ce soir. Donc c'est un blind test, oui. Il y aura 5 extraits. Le premier qui buzz a la parole, faut trouver le titre et l'artiste. Un point pour le titre et un point pour l'artiste. Et donc un point ou deux points pour l'équipe du 9-5 ou pour l'équipe du... Brr. Avec 4 R. Ou pour moi. Ou pour toi. Ou pour Mais toi. En ce moment t'es pas très bon de toute façon. Ouais, j'ai un petit coup de mou. Chose qui arrive, hein, c'est la rentrée et tout. On va voir. Bon, il y a un thème. Quel est le thème ce soir? Tous les artistes qui vont passer, ils ont tous percé avant leurs 20 ans. Comme okay. Toi, enfin comme vous tous d'ailleurs. D'accord. Très bon, thème, bon très bon thème, très bon thème. Il n'y en a pas tant que il ça tricher, en fait. Il va tricher. Percé. Il y en a quand même. Percé avant leurs 20 piges. C'est ça. Ok. Prêt, vous bon. Êtes prêts? Tout le monde est prêt? Yes, ça. L'équipe du brrr, l'équipe du 9-5, tout le monde. Brrr. Par contre, il va falloir mettre le casque. Ah oui. Mets le casque. Tu es pas obligé de mettre fort, mais tu dois mettre le casque, sinon tu n'entendras pas l'excès. On y va, premier extrait, c'est parti? C'est parti. Ah, je rappelle, attends, qu'il y a un cadeau d'une valeur inestimable à gagner. Pour l'équipe. Ouais. C'est quoi? Ouais. Bah, vous verrez tout à l'heure, à la fin. c'est parti. On y va. L'équipe des brr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 Ça fait 2 points, réglé, net et précis. Arrête, merci. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il a percé à l'ancien Arton Nino. Bah, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Mon micro depuis tout à l'heure, il est coupé en fait, c'est pour ça que je l'ai enlevé le casque. Mais en fait, j'avais pas compris, il fallait le monter. Tu peux recommencer? Mowgli qui n'écoutait pas l'extrait parce que forcément le casque était coupé. Il y a rien. Mais là, c'est bon, là tu l'entends. Bah non, on peut pas recommencer l'extrait. Il faut accepter. 2 points pour l'équipe de 2-0-0. Mais c'est rien, ça n'est que le début. Deuxième extrait. C'est parti. À l'équipe du 9-5. Les tocos baladés immondes. Ça fait 2 points pour l'équipe du 9-5. On a à peine entendu le début. Je propose une réclamation. Hein Non, une réclamation. Il n'y a pas de triche. T'as vu, tu vois. Non, mais je propose une première réclamation. On verra les réclamations à la fin. T'es louche, toi. Toi, t'es louche. Je rappelle que vous pouvez jouer à la maison en tapant sur votre volant si vous êtes en voiture. En tapant sur vos casseroles si vous êtes à la maison sur autre chose. Allez, on y va, on continue. Troisième extrait. Non, mais de moitié, c'est Mowgli. Dans l'équipe du 9-5, c'est toi, Mowgli qui. Pardon? Ah non, Chimal. Maria. Ça fait 2 points de plus. Oh, Karchak, moi je suis prêt. Depuis tout à l'heure, les deux, quand même, on entend à peine le début du morceau. Ah, il y a du level. Non, mais wesh, eux, ils sont trop forts. Voilà. Tous les jours, tout le temps, toutes les minutes. Que de la musique. J'ai un sérieux doute. C'est un classique. Faudrait des camionneurs. Moi, il me faut du temps. Il faut que ça monte au cerveau. Ça prend du temps avant que j'appuie sur le bouton. Ah ouais, frère. Je pense qu'on devrait commencer l'extrait d'abord où ils entendent rien. Moi, j'entends en premier. Je suis même pas sûr que ça t'aide. On pourrait pas, ça? Ouais, si. On pourrait pas tenter? Ouais. Bon, allez, ce sera pour la prochaine fois. On verra. On continue, troisième extrait, là? Quatrième extrait. Déjà? Il y a 4-2-0. Ah oui. 0 pour toi, évidemment. Ah oui, donc quatrième extrait, ça devient sérieux. Attention, c'est pour moi. On y va. On y va. L'équipe de Brrrr. Tu me laisses même pas le temps d'entendre. Alors attends, vas-y, moi j'ai pas entendu en vrai. J'ai appris à l'armée. Ah bah on remet évidemment. Allez, c'est parti. C'est pas Gambi ça? Non. C'est absolument pas Gambi. C'est qui ça? Non, je sais. Remets. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Kaza. Mais t'as dit quoi? Kaza. Du souffle?
Il a rien dit. C'est bien Kaza. C'est Kaza. C'est ça, non? C'est bon, on a le point. Ouais, mais c'est pas toi qui a buzzé, ouais. En fait. C'est qui? C'est moi, ouais, c'est Genesio, il a dit Kaza. Ouais. Ah, toi? C'est moi, c'est tu Kaza. Il marche pas. Il marche pas. Avant toi. Ouais, on a dit Kaza, ouais. Ils ont dit Kaza. Voilà, on a dit Kaza. Quelqu'un a le titre ou pas? Oui, je l'ai, moi. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Bien, frère. Voilà. Bon. J'ai un problème avec mon buzzer, mais on va le régler après. Ça donc fait... alors attends, on est à combien là? 4-3-1. Alors, équipe 3, moi j'ai 1, et l'équipe du 9-5-4. Donc là c'est le dernier extrait, on est d'accord? Okay. C'est le dernier extrait. Dernier extrait, il vaut 3 points pour le titre, 3 points pour l'artiste. Alors, comme ça c'est réglé. Ouais, c'est ça que tu fais à chaque fois. Mais attends, c'est normal, le dernier extrait coûte toujours plus. Y'a rien, vas-y. Allons, 3 points pour l'artiste, 3 points pour le titre. Pas de souci. Tout est possible. Allez, on y va. Peut-être que. Big Flo et Oli. Oh. Ouais. Avec derrière. Ouais. Avec. Avec non, pas derrière, avec. Ouais, bah, pardon, hey, et toi, commence pas, toi. Non, il a soufflé, mais j'ai pas réussi à mais le titre, quelqu'un a le titre? Non. Dernière. Hein? C'est pas dernière. Non, dernière, j'ai dit que c'était celui-ci. Non. Mais j'ai dit dernière. T'as dit derrière. Voilà, j'ai dernière. Non, j'ai dit dernière. Je vais te chercher là-bas. Envoie mes trois points. Mais je fais ma longue à fourcher, vous avez bien compris que c'était dernière. Non, je t'ai fait répéter exprès parce que justement, je me suis dit. Non, mais là, foutage de gueule. Voilà. Foutage de gueule. Non, mais attends, j'ai dit dernière. Non, mais tu doutes bien que j'ai pas dit derrière. C'est, ils ont pas fait de morceau qui s'appelle derrière. Je doute que t'as dit derrière. J'ai dit dernière. Champion. Tu peux pas gagner tout le temps. Vas-y. Faites le calcul des points. Non, on a foutu. C'est bon, c'est nous, on a gagné. Non. Bah si. Bah attends. Bah ça valait 3 points. 3 points. Attends, 3 points. Toi, t'as eu 3 points. Moi, j'ai 4 points. 4 points. L'équipe de Brrr. On a 7. Ils ont 4. T'as 4. Non, ils ont 4. Vous avez 5. Ouais, 5, 7, 9, 12. Et Fred, il a 4. On a plus dans tous les cas. Vas-y, on a fait un dernier. Qu'est-ce que c'est? Ils étaient à 3 points. Bah, c'est si, même pas compté si en plus. Si. Ça change rien, t'as perdu. Et alors attends. Donc les grands gagnants, ceux qui vont repartir avec un cadeau d'une valeur inestimable, c'est l'équipe en brrr. Bravo copain, applaudir, bravo. Bravo Kershak, bravo Genesio. Il faut accepter parfois la défaite, bravo. Je t'avais dit. Bravo, vous repartez avec un album dédicacé par Favé, lui-même. Wow. Bravo. Cadeau d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que tu vas mettre comme dédicace pour, par exemple, pour Kershak? Grosse dédicace, gros bisous à Kershak et Genesio. On est ensemble, la famille. Gros bisous. On est ensemble. J'ai envie de dire, vous êtes refait, les gars. C'est très bien comme dédicace. Franchement, c'est un très beau cadeau. C'est un magnifique cadeau. Voilà. Ça sortira vendredi. C'est